Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Et je vous ai apporté une nouvelle histoire qui s'appelle « Il l'a fait ». Elle a été écrite par Ole Konecke. Alors, pour écouter l'histoire, comme d'habitude, on prend ses petites mains, on ouvre bien grand ses oreilles, on ferme la petite bouche, on met ses mains sur ses genoux et... Cric-crac, mon histoire va commencer. Mon histoire s'appelle donc « Il l'a fait ». Voici Bert. Aujourd'hui, Bert va le faire. Bert est bien préparé. Mentalement et physiquement. Bert vérifie bien tout encore une fois. Ah ah! Bert prend de l'élan. Ah ben non. Ne prenez pas de l'élan. Mais ça ne va pas tarder. Bert? Bert? Oh. Ça y est, il s'élance. Ça y est, il saute. Oh! Au secours! Oh! Mais il tombe. Et plouf! Oh! Plouf! J'ai sauté! J'en étais sûre depuis le début qu'il le ferait. Oh, ben moi aussi. Seul Bert pouvait le faire. Quand Bert dit qu'il va faire quelque chose, eh ben, il le fait. Il est comme ça, Bert. Et plouf! Ça y est, il a encore sauté. Cric-crac, mon histoire est terminée. Voilà les petits chats! C'était l'histoire du jour, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se dit à demain. Ciao ciao les petits chats.